Allez, Aymeric, un petit tour de carte qu'on a pensé avec Thierry. Et comme je sais qu'en plus, toi, t'aimes bien ça, je vais te faire. T'as vu que j'ai deux jeux de cartes complètement différents. Un aristocrate, line and finish, rien de particulier. De couleur vert, au moins comme ça, on pourra bien le différencier avec le bicycle qui lui est à dos bleu. Donc, tu vois qu'il n'y a pas triche, d'accord ? Nickel. L'idée va être la suivante. Ce que je vais te demander, on va servir d'un jeu pour faire un choix, d'accord, tout simplement. Et, enfin, du moins, un choix d'un nombre totalement aléatoire. Et un autre jeu de cartes pour faire le choix d'une carte. Ok. Alors, avant de faire quoi que ce soit, on va imaginer, par exemple, si je te demande, enfin, si c'est moi qui te fais, par exemple, je sais pas moi, couper une carte comme ça, puis peut-être regarder, on pourrait peut-être penser que j'utilise des cartes toutes similaires. Si, si je te fais choisir une carte en regardant les cartes, ben pareil, on pourrait peut-être penser que... Voilà, tu peux avoir une carte clé ou quelque chose. Si c'est moi qui te demande par exemple de couper, en regardant, peut-être que tu vas dire que je vois, il y a un truc, donc je veux pas tout ça. Donc on va faire un truc vraiment très très simple, je vais me retourner, ça, moi c'est encore mieux que ça, je vais t'étaler les cartes, tu prends la carte, tu la montres à la caméra, oui, pourquoi je me retourne? Parce qu'on pourrait penser que si je me retourne pas, hein, entre magiciens j'utilise des jeux marqués, des choses comme ça, j'en dis pas trop mais on sait jamais. Ok. Donc j'étale, tu prends une carte, tu la montres à la caméra, très important, et moi je veux pas voir. C'est fait? C'est fait. Tu me dis « halt, stop » quand tu stop. Veux. Voilà, tu poses la carte ou tu m'as dit « stop ». C'est bon. C'est posé ? C'est posé. Je peux recompléter. Vas-y. Et tu prends ça, tu le remets dans l'étui si tu as envie. Allez. Voilà. Donc, t'imagines que on a mélangé les cartes, tu as pris une carte qui est totalement au hasard, je ne la connais pas, tu m'as dit « stop » à une position que je ne connais pas, tout tout ça c'est fermé, je ne veux même pas voir l'étui. Jusqu'à là, on est clean. On est complètement clean. Maintenant, je vais te demander de choisir un nombre. Mais ce nombre, tu vas le choisir totalement aléatoirement. Pourquoi? Encore une fois, si je te demande peut-être de choisir un nombre naturellement, tu vas me dire 7, comme 7 merveilles du monde. Tu vas me dire, je sais pas moi, 26, parce que c'est la moitié d'un jeu. Tu vas peut-être influencer. Donc c'est très simple. Je vais te défiler les cartes une par une. Et quand tu veux, tu mettras le doigt sur une carte. Mais vraiment, quand tu veux, je vais aller très lentement. Et cette carte, on la sortira, on la mettra en saillie externe comme ça. Et on en prendra 4. Okay. Donc si maintenant le chiffre dépasse, bien sûr, la... ben non, ça ne peut pas dépasser, puisque si tu me prends 4 rois, bon, ça fait 53, 13, 13, ça fait 52. Mais bon, bref, on avisera suivant ce que tu prends comme carte, ok? Allez. Et bien sûr, où tu me dis stop, on peut... Ici. Je te coupe, mais je bouge pas. S'il veut plus loin ou quoi, il peut. Il n'y a pas d'embrouille. Ouais, ouais, mais je veux celle-là. D'accord. Je veux garder celle-là. Et c'est pour mais je peux changer de choix. Hein c'est voilà, c'est comme tu veux. Non, on garde celle-ci. C'est pour voilà. Te dire que tu peux aller où tu veux. Je passe encore les cartes et quand tu, ben, quand tu veux, tu me dis stop, encore une fois. Stop. Laquelle? Celle-là. Et puis... C'est honnête, hein? Très honnête. Celle-là. Celle-là? Oui, celle-là. Et donc là, ça fait 3, puis 4. Ici, celle-là. Et ici. C'est honnête? Honnête, parfait. Regarde. Juste, j'enlève ça et je les laisse ici. T'as compris que là, depuis le départ, j'ai rien fait de spécifique, le tour n'a pas encore commencé. T'as choisi une carte, j'étais retourné, tu l'as perdu dans le jeu. T'as choisi complètement 4 cartes librement au hasard. Donc, on aurait pu prendre n'importe quelle carte. Et on va maintenant calculer combien ces cartes elles font. Donc, je te laisse le choix de faire le calcul. Donc, on va voir. Alors, bien sûr, ce que je t'ai pas dit avant que tu poses, c'est que les cartes sont le nombre, enfin, je veux dire, le 10 vaut 10, l'as vaut 1, le valet vaut 11, la dame vaut 12, le roi vaut 3. Je te le dis, tu le sais, mais c'est parti. C'est parti alors. Donc 3. 3. Et 4. Et 4, 7. Ça fait 7. 7 et 7 et 1, ça fait 8. 8 et 7. 8 et 7, ça fait 15. C'est clean. C'est un nombre complètement aléatoire. Tu es d'accord avec moi qu'encore une fois, si tu avais choisi une carte avant ou une carte après, je ne pouvais pas savoir. Tu es arrivé sur un nombre total de 15. T'imagines quand même que tu as choisi une carte, tu l'as mis n'importe où dans le jeu. Est-ce que tu peux récupérer le jeu qui est ici et compter? Donc c'est bien 15, hein? Attends. Ouais. 4, ben 7 et 3, 10. 10 et 1, ben 11. 11 et 4, c'est bien 15. 15. Je te laisse compter 15 cartes. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et 15. Tu peux retourner la 14e, tu peux retourner la 16e. Les cartes sont différentes, c'est pas les tiennes. Non. Eh ben, ce qui est fou, Emmerich, moi je veux rien toucher. Avec tout le choix que t'as eu. La 15e carte, si c'est la tienne, c'est un miracle. C'était quoi dans ta carte? C'était de mémoire, je crois que c'est la valet de trèfle. Je te laisse le retourner. C'est ça, la valet de trèfle. Et ça marche. La canne ou pas la canne? Très bien, c'était la canne. C'est joli, hein? C'est très joli. C'est joli. Et tu peux tout donner à examiner. Bonne manière. C'est top ça. Toi-même, tu peux comprendre qu'il n'y a rien de particulier, ah ouais. Mais ça fonctionne. C'est une très bonne tour. Voilà. Ça, par contre, tu vois, je préfère que ce que tu m'as dit tout à l'heure. Eh oui, ah bah, tout à fait. On est d'accord. Ça, tu peux le faire. C'est plus magique. Oui, ça, c'est magique. Même pour un spectateur, ah oui. Il y a une impossibilité qui se crée. Y compris pour un magicien. Ouais. Oui, aussi, oui. C'est magique. Aussi. Cool. Voilà, voilà. Top. Donc, deux tours avec deux jeux complètement différents. J'aurais pu effectivement faire ça avec ton propre jeu. Mm-hmm. Donc pas de carte truquée pour faire ces effets-là. Et voilà. Bah, c'est top. Pour ça, moi j'ai Arcane, tu me dis des... Oui, on peut le construire. Mais... Tu choisis un chiffre et tu choisis un emplacement. Oui. C'est pas le protocole d'un Arcane. Ouais. Mais oui, c'est vrai, t'as une carte choisie que je connais pas, qui est perdue n'importe où dans le jeu. Un nombre est choisi, effectivement. Donc oui, on pourrait dire que ça fait partie d'un Arcane. Le protocole est différent, mais... Voilà. Allez, à bientôt.